ça y est, on se retrouve pour la présentation, l'ouverture de mon serveur Herodia. Ça fait un petit moment que je vous en parle sur Twitter et en live Twitch. Voilà, regardez, je suis admin. Hein. Herodia, c'est quoi? C'est un super PvP faction Vanilla. J'ai participé à leur verre qui s'est plutôt bien passé. La V2 également super, il y avait plus de 300 joueurs connectés. Shazon, le fameux youtubeur qui est tout le temps à poil dans ses vidéos, avait rejoint le projet. Et à mon tour, pour la toute nouvelle saison, là, ils font la saison 2 de Herodia. J'ai également rejoint le projet, ça y est. J'estimais que le serveur avait beaucoup de potentiel, il leur restait vraiment pas grand chose pour qu'il soit parfait, nickel. Du coup, je suis venu leur apporter tout ça, leur apporter mes idées. Il va y avoir beaucoup de nouveautés au niveau du gameplay, surtout du PvP, parce que vous savez, c'est ce qui m'intéresse le plus sur le serveur PvP Faction. C'est là-dedans que je suis le plus calé. Pour vous lâcher quelques spoils, évidemment, il n'y aura pas de pomme cheat activé. Underpair activé en Warzone, mais avec cooldown. Les épées Knockback et Knockback 2, c'est terminé, on oublie avec moi. Pas d'alliance, hein, des factions de 15, on doit se démerder nous-mêmes avec notre propre faction. Enfin bref, on va revenir là-dessus un peu plus tard, c'était un peu pour vous mettre dans le bain. Je suis vraiment trop excité, j'ai trop hâte que ça ouvre, ça va être incroyable. En parlant de l'ouverture, les amis, ça se passera ce samedi 25 juillet à 16h. Je serai en live sur Twitch pour l'occasion. Je commencerai à jouer en tant qu'admin, voir un peu voilà, le début de tous les joueurs, tout ça, on va un petit peu modérer. Et au bout d'un moment, je passerai sur mon compte joueur pour débuter l'aventure, ça va être fou. On va faire plein de vidéos, on participera aux events avec la faction, on fera des pillages, plein de PVP. On fera également des admin series avec mon compte admin. Peut-être le retour de la fameuse série où je vais visiter les plus grosses vases du serveur, ça va être incroyable ça aussi. Voilà, voilà, ça va être fou. Je vous mets évidemment toutes les informations du serveur dans la description. Vous avez l'IP, le Twitter, le Discord, très important, c'est là que il faut ramener un maximum de monde. Tout se passe dessus. En plus, en ce moment-là même, il y a encore un concours d'invitation. Donc si vous voulez vous mettre très bien pour l'ouverture, invitez un maximum de monde sur le Discord, parce que plus vous allez en inviter, plus vous allez gagner des points en boutique. Et en plus, il y a de l'argent PayPal à gagner pour ceux qui auront le plus d'invitations. Allez, je vais commencer à vous présenter tout ça, je suis chaud. Je fais une petite parenthèse parce que la question va sûrement beaucoup venir. Est-ce que je quitte Sindoria? Est-ce que Sindoria c'est fini? Non, pas du tout les amis, bien au contraire. On vous prépare du très très lourd pour la V2, ça va arriver en août. Mais vu que ça arrive pas tout de suite parce qu'on vous prépare du très 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 beau et du très très bon, j'ai rejoint le projet Herodia parce que je suis trop chaud de tryhard sur ce serveur également. Voilà pour la petite parenthèse. Alors là, on est au spawn. Vous arrivez, il y a plein de petits PNJ plutôt mimi. Au milieu, vous l'avez remarqué, il y a un fameux pass de combat maintenant qui est disponible sur Herodia. Voilà, en mode à la Fortnite, vous aurez des petites quêtes tous les jours, des nouvelles récompenses à débloquer tous les jours, ça va être trop bien. C'est un serveur 1.8+, version craquée acceptée, j'ai oublié de le préciser, et il est full farm to win. Regardez le frérot dans la boutique, on peut absolument tout acheter in-game. Le meilleur grade du serveur, c'est l'Herodia. Et regardez, vous pouvez soit l'acheter avec de la monnaie à 500 millions ou des points boutique à 6000. Vous avez accès à beaucoup de fonctionnalités vraiment mimi avec ce grade-là. Et évidemment, vous l'avez compris, je vais vous faire gagner quelques petits grades Herodiens dans cette vidéo pour vous être bien pour l'ouverture. Par contre, il va falloir mériter tout ça, je vous explique. Je vous en offre un seulement tous les 200 pouces bleus. C'est-à-dire que si la vidéo fait 1000 pouces bleus, vous aurez 5 grades Herodia à gagner, c'est énorme. Il faut bien évidemment aussi par contre s'abonner à la chaîne avec la cloche de notification pour pas louper les prochaines vidéos. Et tu mets ton meilleur commentaire pour être tiré au sort. Plus de 300 quêtes sur Herodia, regardez-moi ça, c'est juste monstrueux. Il y en a plein et de toutes sortes, toutes catégories. On a des quêtes extrêmes de combat, de farm et tout, regardez-moi ça, c'est un truc de dingue. Ici vous avez quelques wars plutôt intéressants comme le monde minage, l'end, le nether, la téléportation aléatoire, la warzone, etc, etc. Les métiers séparés, regardez tout ce qu'il y a. En plus il y a 200 niveaux max sur chacun. On a les plus classiques, bûcheron, mineur, chasseur, là on a magicien, enchanteur. Dans le shopping game vous pouvez absolument tout retrouver, hein, que ce soit les blocs, les potions, les trucs de mob. Voilà, il y a vraiment de tout. Tout est complet sur le serveur, vraiment rien n'a été oublié. Il est parfait, l'HDV classique. Je vais vous montrer un petit peu le spawn, hein, comment il est mimi. Il est très simple, en plus vous n'allez pas vous perdre, hein, juste vous allez tout droit. Vous avez ici le côté quête, des petites tapes d'enchantement par-ci par-là. Là c'est le coin fort. Et si vous voulez rejoindre la Warzone, tout simplement, il suffit d'aller tout droit, hein, pour vous castagner ou pour partir très très loin. Une seule sortie, c'est ça qui est bon. Voilà, tu sautes et boum, ça commence avec un giga Herodia. Là, c'est trop beau. La Warzone, très très propre. Les amis, regardez-moi aussi ces giga statues de fou. Là, ça, c'est plutôt badass, ouais, avec le petit caoutchouc en dessous. Et bon, bah voilà, hein, sinon, elle est super méga propre, hein, les amis. Hein, ça reste plat. C'est beau, c'est pratique, c'est génial. Ici, il y a un petit tipi pour le fameux donjon à la Dofus. On avait testé ça lors de la V2. Il y a 5 salles, 5 boss, un boss par salle. Plus vous allez monter dans les salles et plus les récompenses vont être élevées. Ça c'est quelque chose qu'on fera pas mal je pense quand on jouera sur le serveur en live et tout. Sachez que pour les plus gros compétiteurs d'entre vous, il y a 200 euros de cash prize à gagner tous les mois. Avec beaucoup d'évêtes à la clé, regardez-moi ça. Il y a des météorites, des concours, des donjons, des nexus, des volcans. Et il y a les largages, les KOTH, les quêtes de faction, les totems, les outposts. Pour vous aider dans votre tâche de tryhard, il y a un F menu à disposition avec lequel tu peux upgrade ta faction au fur et à mesure. Il y a 9 niveaux de faction en tout. Tu les débloques avec de l'argent in-game
et plus tu vas monter, plus tu vas débloquer soit des commandes, également des kits de factions qui sont plutôt intéressants. Avec tout ça, tu peux même débloquer des atouts de factions. Il y a même un double chest pour la faction et quelques quêtes à réaliser en faction aussi, les amis. C'est un petit menu vachement complet, j'aime beaucoup ça. On va parler un peu plus au niveau du gameplay, c'est ce qui vous intéresse le plus, je pense, les gars. Alors évidemment, c'est du gros PVP drop. La durabilité des armures ont été augmentées de ouf. On prend extrêmement cher, vraiment le PP est parfait. Les KB, tout ça, c'est fluide, c'est super bon. Validé à 100% par la street. Faction de 15, pas d'alliance entre factions et tout. 0, comme je vous l'ai dit. Les enchantes sur les épées avec knockback 1 et knockback 2 sont complètement désactivées puisque c'est énormément cancer, c'est nul au niveau du gameplay. Il n'y a pas vraiment de multi en Warzone parce que toutes les téléportations ont été désactivées. Donc si t'es en train de te faire défoncer la gueule dans la Warzone, tu pourras pas ramener 15 joueurs, ça c'est bien. Les pommes cheat, les potions cancer comme weakness, les popos d'instant damage, les invisibilités, les potions de jump boost, enfin voilà, tous les trucs vraiment cancer et qui sont trop nuls pour le gameplay ont été désactivés aussi. Nouveau système d'anti-cleanup, c'est quelque chose que j'ai demandé. C'est-à-dire que quand on va tuer un joueur, vous allez voir, et bah en gros, hop, ça va verrouiller au sol les items. Tout simplement pour celui qui l'a tué. Voilà, on a quelques secondes. Et hop, il y a seulement moi et uniquement moi qui peuvent les ramasser. Ah aussi, j'ai peut-être oublié de le préciser, mais évidemment, vous connaissez, il n'y a pas d'armure légendaire de P5, T5 ou je ne sais quoi. Le stuff maximum, c'est du Vanya, c'est du protection 4, sharpness 5, grand max, c'est parfait, c'est nickel. On va terminer très rapidement par la petite présentation de chacun des events. Parce que tout à l'heure j'ai fait un petit tour, mais c'était très rapide. Là, je vais vous expliquer un petit peu mieux en quoi consiste chaque event. Alors, les météorites, tout simplement, régulièrement, des grosses météorites vont s'écraser la gueule sur le serveur aléatoirement dans la map. Il faudra vite s'y rendre pour récupérer les récompenses. Ça, c'est des petits concours de farming. Voilà, il faut être le premier à terminer pour recevoir la récompense. Les donjons là de feu, je vous l'ai déjà expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo. Le Nexus, voilà, c'est assez connu. Il y a un gros truc balèze qui spawn et en fait, il faut être la première équipe à le tabasser pour avoir la récompense. Le volcan, il y en a plusieurs dans la Warzone et assez régulièrement, ils vont exploser, ils vont entrer en éruption. Et à ce moment-là, ils vont lâcher plein de stuff plutôt mimi. Il faudra aller le ramasser. L'argage, c'est des coffres qui vont spawn dans la Warzone. Il faudra aller récupérer le butin. KOTH, c'est le plus connu. Il faut capturer la zone, voilà, pendant un certain temps limité. Des quêtes de faction à réaliser chaque jour avec la faction. Totem, c'est un pilier de 4-5 blocs. Il faut tous les casser d'affilée. Et la Outpost, les amis, c'est un event où il faut contrôler une zone. Sauf que c'est pas comme le KOTH. Là, c'est quelque chose qui se passe tout le temps, en permanence. Il faut tout le temps la contrôler pour obtenir certaines récompenses. Et voilà, les frérots, je pense avoir fait le tour des nouveautés les plus importantes. J'ai très hâte d'être à samedi, de tryhard de ouf le serveur avec la Falzar. Ça va être trop bien. Je compte sur vous pour être le plus nombreux possible. Je serai en live. Ah tiens, pendant que j'y pense, juste avant de quitter la vidéo aussi, sachez qu'il y a un practice sur Herodia et également un serveur Invest pour pouvoir gagner de l'argent tout en restant AFK. Ça, c'est basique. Mais le practice est quand même important de le notifier, sachant qu'il est plutôt bon. Voilà, moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à samedi et allez, ciao, bye bye.